Laissez-moi appeler, attendez. Yo, Ethan, tu n'es pas. Je suis en prison, là, bijou. Mais je n'ai pas intelligent que... Je pense que tu pourrais essayer de trouver 10 000 balles. Yo tout le monde, je vous bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oh, je vais faire croire à des potes que je suis en tôle. Et là, je vais les appeler de la tôle pour leur demander s'ils peuvent payer ma caution. Vous inquiétez même pas, j'ai mis tellement de choses en place pour les faire croire que je suis vraiment en prison là. Je vais pas tout vous dire maintenant là, mais regardez la vidéo au complet si vous voulez tout savoir. Je vais vous donner un petit exemple, ok? Avec ça, ils vont vraiment croire qu'il y a des gens autour de moi là en tôle. Yo! Allô? Ah! Bon, je pense qu'on y va là, on commence là, on arrête de perdre du temps là et... Oh my god, imagine. Ah, ok, bon. Par qui je pourrais commencer? Parce que dans mon téléphone, là, regardez, j'ai combien de contacts? J'ai 50 contacts. Et dans les 50 contacts, là, il y a plein de contacts qui sont juste des tontines. Donc, ok, on va commencer par celui-là. Ah, lui, ça fait 3 mois que je n'ai pas parlé. Donc. On va commencer par lui. Oh, j'ai aussi les appels en appel masqué. Je ne peux pas les appeler avec mon numéro, frère. C'est pas crédible. Ça sonne. Ok, on y va. Qui n'a pas encore été activé par l'abonné que vous tentez. Il a pas répondu. Il a pas putain de répondu. Merde, ok. On y va pour le prochain, c'est pas grave. Ok, on y va pour celui-là. On y va pour un de mes potes. On va voir qu'est-ce qu'il va dire, frère, si je lui dis que je suis en tôle. Le numéro de téléphone que vous avez composé n'est pas attribué. Veuillez vérifier le numéro et essayer. Frère, j'ai personne dans mes contacts ou quoi? Oh, une meuf dans ma classe. Cette meuf-là, j'ai pris son numéro en classe. On est dans la même classe, mais je pense qu'elle a arrêté l'école, elle. J'ai pris son numéro et on va l'appeler et on va voir si ça va marcher. Elle était dans ma classe, frère. On se parlait bien et tout, mais elle a arrêté l'école, donc pff, je ne l'ai plus vue. A few moments later. La communication n'a pu être établie. Veuillez réessayer. Ouh, lui c'est un de mes potes. Non, lui va répondre. Lui va répondre. Je pense que lui ça va être chaud. S'il ne répond pas. Allô? Allô? Yo! Ethan! Ouais, c'est moi, allô? T'es là? Attends, je bouge un peu là. Allô? Allô? T'es où là? Non, là, je suis chez moi. T'es chez toi? Yo, parce que c'est chaud là, je roulais à 150 sur une route de 100 là, de 50 là, et ils m'ont arrêté. Dis-moi. Non, je laisse même pas, comme ça je mens. Genre, yo, puis là ils m'ont donné mon numéro pour que je t'appelle, mais ils veulent pas que j'utilise mon phone. J'ai juste pris ton numéro. Non, c'est chaud. Yo, Ethan, je laisse pas. Yo, je répète tout ma daronne parce qu'elle va me tuer, bro. En plus, c'est sa whip, c'est pas ma whip. Genre, c'est pas ma voiture. Genre, tu vois, à côté de Chambly, là, c'est 50. Non, j'ai roulé à 150, bro. Puis la police était juste derrière moi. C'est pas ta whip. Yo, c'est pas ma whip, mais je suis dans la merde, là. Ah, mais aussi, tu peux pas payer mon bail? Je sais pas. Je vais te payer après, genre. J'ai pas envie de demander à ma daronne, tu vois. Ya, yeah, vas-y, t'inquiète. Ah, s'il vous plaît. Ah, t'inquiète. Non, Ethan, je n'y pas, bro. Je suis dans la merde, là. Est-ce que t'as 3000 balles? Même pas. T'as combien? Yo, tu t'en fous de moi, bro? Yo, Ethan, tu n'y es pas! Ethan, tu n'y es pas, bro! Laissez-moi appeler, attendez! Attends, mais pourquoi ton numéro est masqué? C'est pas mon numéro, c'est à la police! Ah, même si c'est à la police, ça va être trop bien! Ethan, pourquoi tu me prends pas en sérieux, bro? Yo, est-ce que tu pourras venir au poste? Ah, mieux, ça.
pourquoi? Tu fais quoi? Tu peux pas venir? Là, je peux pas. Là, je peux pas. Yo, dans ces cas, tu viens. N'est-ce pas? Yo, attends, tu veux quoi qu'on prouve? Tu veux que je te passe au policier, là? Il va. Monsieur? Vous pouvez venir, s'il vous plaît? Comme, oui, c'est important, parce que mon ami ne me croit pas. Allô? Monsieur! Quoi? T'as entendu ou pas? Yo, t'as pas take? Comment t'as pas take, bro? Soit t'es les take, bro. À où t'as cru que c'était réel? À où? Yo, déjà t'appelles un numéro masqué. Attends, ouais, mais quand t'appelles avec la police, ça apparaît pas 911. Oui, ça apparaît. Ça apparaît pas 911 quand t'appelles avec la police, t'appelles. Ça va pas apparaître 911 parce qu'ils sont masqués. Ils vont être masqués. Ils vont pas t'appeler. Allô, c'est la police, 911. Tu vois ou pas? C'est masqué de toute façon, la police. Ouais. J'ai cru que t'allais me croire en vrai. La vérité, j'ai cru que t'allais me croire. Hein. Non, en vrai. Tu m'as cru? En vrai, t'as pas... Yo, t'as cru, je sais que t'as cru un peu. Oh, quelques secondes, je sais que t'as cru quelques secondes, bro. Non, même pas. Oh, ce pote-là, il m'a pas cru. Mais au moins, il a répondu. Mais il m'a pas cru. Mais bon, c'est pas grave. Oh, celui-là, il va me croire. Il va me croire, celui-là. Lui, ça fait 3 ans que je ne l'ai pas parlé, mais bon. Je vais essayer de l'appeler. On va voir ce qu'il va dire, frère. On va même voir s'il se rappelle de moi. C'est un gars, là, qui était dans ma classe. Je vais l'appeler, on va voir s'il se rappelle de moi. Et s'il va accepter de payer caution. Réponds, mon gars, réponds. Je dois faire tellement de menaces sur mon téléphone, frère. J'ai des numéros que j'appelle, que personne ne répond. Des numéros qui ont été supprimés. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour? Allô? Attends, je vais me tasser un peu. C'est Daniel? Allô? Oui, c'est Daniel. Ouais, je m'appelle Junior. Tu te rappelles de moi ou pas? Ouais. Tu te rappelles de moi? Ouais, on était dans la même classe, là. Ouais. Ouais, j'ai un petit souci, là. Je roulais à 150 sur une route de 50, puis j'ai été arrêté. Est-ce que tu penses que tu pourrais m'aider? Genre là, je suis à la police, là. Ils ont pris mon phone. C'est juste ton numéro que j'ai vu, puis ils ont dit que je peux t'appeler. Mais je peux rien faire. Je peux pas appeler ma mère, rien. Je sais pas. Qu'est-ce que je peux faire? Genre là, ils ont dit que... Mais je sais pas, ils m'ont rien dit. Mais je pense que ma caution sera élevée, c'est tout. Est-ce que tu penses que tu pourrais la payer et je vais te rembourser après? Quoi? Je peux pas vraiment faire ça, mais... Tu peux pas? Genre, t'as pas un petit 3000 balles? Non, pas vraiment. Oh, shit. Tu peux pas appeler d'autres personnes? Je peux pas, ils m'ont pas laissé. J'ai juste vu ton numéro, puis je l'ai pris. Ils m'ont pas laissé voir d'autres numéros, non. C'est ça le truc. Mais je sais pas qu'est-ce que je peux faire. Shit, tu peux vraiment rien me faire, là? Non, mais peut-être genre... Je connais un autre numéro par cœur, je pourrais l'appeler à ta place. C'est ton seul appel que t'as. Ok, non, shit. Merde, ok, merci quand même, Daniel. Hein. Merci, mon gars. Hein. Allez. Ouais, je suis vraiment dans la merde, là. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire, là? Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que t'aurais fait de ma situation? Parce que là, je vais pleurer, là, tu vois? Je sais pas quoi faire, man. Yo, tassez-vous, man. Attendez, je finis d'appeler, là. Fuck. Allô? Tu aurais fait quoi à ma place? Ouais. Je sais pas. S'il te plaît, genre, pense à quelque chose. Qu'est-ce que t'aurais fait à ma place? Genre, t'es dans ma situation, qu'est-ce que t'aurais fait? Parce que j'arrive. Je sais pas, là. C'est pas juste ça tranquille, puis ça va finir à un moment donné, puis. Ok, donc je fais rien, au fait. Je fais rien, c'est ça? Ah, bah, au pire, tes parents vont finir par le savoir, puis ils vont arranger quelque chose, au pire. Je pense que ça va passer une nuit. Au pire. Ah, ok. Ok, Daniel, c'était une blague, bro. C'était une blague. J'ai juste vu ton numéro, puis je vais t'appeler, tu vois. Ok, t'es un bâtard, disons. Quoi? T'es un bâtard, c'est ça? Je suis un bâtard? Oh, je suis un bâtard. Ouais, j'ai vu ton accent, là. T'es un bâtard. Mais non. J'ai vu ton numéro, là. Ça fait longtemps que je t'ai pas parlé, tu vois, mon gars. Et là, je vais t'appeler et faire une blague, là, tu vois. Je t'ai cru, hein. Tu m'as cru? Ouais. Ben oui! Genre, attends, c'était vraiment convaincant, là? Ben écoute, j'avais des doutes. T'avais... Mais comme, je continue avec ton histoire. Ah, mais tu m'as cru quand même. Ouais. Il y a personne à côté de toi, tu disais, poussez-vous. Est-ce que ça, c'était convaincant? C'était convaincant quand tu disais, poussez-vous, là? Tassez-vous, là? Oh, ça peut être tout le monde, puis... Ben oui, t'inquiète, frère, ça s'appelle l'aide fort, ouais.
Ouais, pour celui-là, j'ai été convaincant, il m'a cru et frère, donc il m'aurait vraiment laissé pourrir en tôle, frère. Mais c'est pas grave, frère. C'est pas grave. Bon, le prochain. Oh, lui, ça va être chaud. Lui, ça c'est un de mes potes. C'est un de mes potes, je parle toujours, mais lui, ça va être chaud parce que lui, je sais qu'il regarde mes vidéos. Tu vois, il. Frère, il... non, c'est ça. Ah! Mais bon, on va quand même appeler, on va quand même appeler, on va voir. Il a raccroché. Il a raccroché. Dernière fois que je l'appelle, dernière fois. Il raccroche directement. Le téléphone n'a même pas le temps de sonner. Dernière fois. Qui je pourrais appeler maintenant, frère? On dirait, mon téléphone, il est vide. Et dans toutes les personnes que j'ai appelées, une seule personne a répondu. Waouh. Donc là, si on fait, disons, on fait un jeu, là, tu vois, il y a un milliardaire qui me dit, hé, hey, t'as 1 million, si t'appelles quelqu'un sur ton téléphone, il y répond. Là, je vais sur mon téléphone, je tremble, frère. Qui je pourrais appeler? Qui je pourrais appeler? Qui va répondre? Là, j'ai une meuf là, mais non, je vais pas l'appeler, frère. Je vais pas appeler cette meuf là, je vais pas l'appeler. Non. Ouh, cette meuf là, je l'appelle. Je m'en fous, je l'appelle. Non, je l'ai déjà appelée. Je l'appelais tout à l'heure. Et les gars, là, j'ai appelé tellement de personnes, il n'y a personne qui répond là. Je pense que je vais appeler mon petit frère, allez, on y va avec mon petit frère, parce qu'en plus il n'est pas à la maison, donc là ça va être bien là. C'est moi qui va répondre s'il vous plaît, ne me laisse pas s'il te plaît. Allô? 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 Oui, allô? Oui, allô? C'est qui? C'est Junior. Mais pourquoi t'as vu son numéro masqué alors? C'est pas mon numéro, je suis en prison là, bijou. Non, arrête de me mentir encore là, yo. Non, je suis en prison là, bijou, c'est pas mon numéro, je suis en prison là. Attends, tassez-vous s'il vous plaît, tassez-vous. Attends, je me tasse un peu là, il y a trop de bruit. Mais quoi pour être en Allô? prison, Junior? Hein? Toi aussi. Quoi? T'as fait quoi pour être en prison? Je marchais, puis là j'ai vu une voiture, j'ai lancé une roche et ça l'a frappé par accident. Là, on m'a arrêté là. Mais Junior, sois intelligent un peu! J'ai pas fait exprès, c'est un accident. J'ai lancé la roche, je crois que j'allais toucher un pigeon. Ça a touché une voiture, ils m'ont arrêté. Qu'est-ce que je fais maintenant? Pourquoi tu m'appelles moi? Bah, j'ai appelé tout le monde, il n'y a personne qui répond. J'ai appelé beaucoup d'amis, mais il n'y a aucun ami qui répond. Et là, je t'appelle et est-ce que tu penses que je pourrais essayer de trouver 10 000 balles? 10 000 balles. Mais sinon, j'ai quel âge pour travailler, moi? Mais tu peux pas trouver 10 000 balles? Qu'est-ce que je peux faire, moi? C'est ça qu'ils ont Comment dit. je peux trouver 10 000 balles? C'est la caution, ils ont dit 10 000 balles pour me libérer. Je sais pas quoi faire là. Attends, il y a trop de bruit là, il y a trop de gens. Ouais, je sais pas quoi faire, Issou. Attends, je te passe maman. Non, passe pas maman. Quoi? Ok, bon, je dois y aller là. Il y a quelqu'un qui doit passer un appel là. Je dois y aller, ok? Bye. Allô? Allô? Il m'a abandonné là. Allô? Laissez-moi! C'est moi! Allô? Oui, allô? Attends, mais pourquoi tu répondais pas? Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est allé voir maman pour lui dire! Impossible, frère, t'as juste arrêté de parler. Tu parlais pas pendant quelques instants là, genre t'as arrêté de parler tout court. Mais je sais pas! Attends, combien de temps tu restes en prison? Oh, y a des gars sur moi là! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Allô? Okay, bon, je dois y aller. Non, combien de temps tu restes en prison? Dis-moi. Je sais pas, mais je dois y aller. Environ combien de temps? Bye. Toi aussi, comment tu lances une roche? Bye. Et est-ce qu'il est vraiment allé voir ma daronne là? Et je vais le rappeler, je vais dire c'est un prank. Je vais dire c'est un prank. Allô? Yo, allô, ça va? Oui, ça va. Allô. Allô?
que c'est un prank. Je savais de toute façon. Comme ça, tu savais. Comment tu peux lancer une roche avant une caution de 10 000 dollars? Mais frère, si je lance une roche, ça frappe une voiture de policier. Je savais. Tu savais rien, arrête de mentir, tu savais rien. Après, t'as stressé, je l'ai entendu dans ta voix, j'ai vu. J'étais comme, what? Arrête de faire ça. Si tu le savais, c'est peut-être à la fin. Quand j'ai commencé à dire l'histoire de... Non, j'étais même pas stressé. Frère, je l'ai senti dans ta voix que t'étais stressé. Arrête de faire genre, t'étais stressé. Non, même pas. Ok, mais même bon. Pas. Et vous êtes où, là? On est dehors. Où? On est au magasin. Ah, ok, mais bon. Bon, bye. Bon, bye. Attends, là, t'es où? En prison, là. Je l'ai appelé pour lui dire que c'est un prank. Il me dit, je suis où? Je dis en prison encore. Oh, il m'a cru. Il fait genre, il m'a pas cru. Il fait croire, il m'a pas cru. Je t'ai pas cru. Et bon, voilà pour la vidéo. Like, abonne-toi, c'est pas comme tu as fait. Et peace pour notre vidéo. Peace pour notre vidéo.